D'importants travaux sont en cours à la cathédrale de Liège, au trésor de la cathédrale. Il s'agit de dégager de grands espaces dans les greniers du cloître pour les transformer en profondeur. Ces travaux permettront d'ajouter un tout nouveau centre d'interprétation. Le chantier d'extension du trésor de la cathédrale de Liège a débuté il y a juste 2 mois et s'avance plutôt bien. Nous sommes ici sous la toiture d'une des ailes qui entoure le cloître de la cathédrale, en fait, au coin de la rue Bonnefortune et de la place Saint-Paul. Les charpentes sont impressionnantes, elles doivent être rénovées, tout comme la couverture d'ardoise des toitures qui doit être remplacée. D'importants travaux sont également en cours à l'intérieur pour permettre d'accueillir le nouveau centre d'interprétation du trésor de la cathédrale. Restaurer les bâtiments, c'est bien, leur donner une affectation, c'est mieux. Le trésor de la cathédrale va pouvoir redéployer ses collections, faire sortir des pièces de ses réserves, faire une liaison meilleure avec l'archéoforum, qui est le lieu de l'ancienne cathédrale, pour expliquer aux gens comment tout ce trésor est parvenu jusqu'à nous. Vous vous sentez un petit peu à l'étroit dans les locaux actuels ? Ben oui, vous le constatez vous-même. Inévitablement, on accumule des objets, on veut en mettre d'autres en valeur. Alterner aussi les collections, je crois que c'est important. Ces travaux devraient également permettre de stabiliser certains pans de murs de la cathédrale, des problèmes apparus au XIXe siècle, mais qui n'avaient pas reçu jusqu'ici de solution définitive. Beaucoup de travaux sont des travaux d'entretien de ces ailes du cloître de la cathédrale, au point de vue des charpentes, de l'état sanitaire des charpentes, au point de vue des toitures, les ardoises de ces toitures, et également, surtout, la stabilité de l'ensemble, parce qu'il y a un hors-plomb de 30 cm du sol jusqu'au sommet de la voûte, sur toute cette aile ouest du trésor. Pendant le chantier, le trésor reste accessible aux visiteurs qui peuvent y découvrir un parcours de ses œuvres maîtresses. Le développement du nouveau trésor de la cathédrale est attendu dans le courant du printemps de l'année prochaine.